verte. Le monde s'est gâté. La terre est devenue sale. Kata ne peut pas m'inviter à la dot de ma propre nièce. Elle me donne 10 000. Elle me donne 10 000 alors que j'ai vu de mes propres yeux une grosse enveloppe d'argent. Les porcs, les chèvres, les, tout ce qu'on a apporté, Kata ne me donne pas. J'ai même griffé Kata pour lui dire que maman, ne prends pas beaucoup de choses comme ça. C'est comme si tu vendais l'enfant. Dans le foyer, là-bas, on va commencer à dire qu'on t'avait acheté. C'est comme ça que les maltraitances vont commencer. Kata ne me regardait même pas. Quand les gens partent, elle me donne 10 000. Je sais que Kata dira que je n'ai pas aidé, je ne l'ai pas aidé à élever son enfant, mais j'ai élevé ma nièce dans mon cœur. J'ai élevé ma nièce dans mon cœur. Si je ne lui ai pas donné le crayon ou les gommes, c'est parce qu'elle ne comprenait pas l'école. Ça devait lui servir à moi. Même si elle a quand même eu la chance d'épouser son mari riche, là, mais aussi. Si Kata m'avait même laissé saluer l'assistance, je devais profiter pour demander ce que fait ce garçon exactement. Pas tout ce que nous savons, c'est qu'il est riche. Il travaille quoi? Kata me dit seulement que son gendre est riche. Si demain on comprend que l'enfant a été égorgé, on ne saura même pas. Si Kata m'avait même laissé placer un mou, je devais demander au beau-père de ma nièce à quelle heure lui rentrait chez lui. Parce qu'un homme qui rentre à 6 heures n'apprendra jamais à un autre enfant d'entrer à 18 heures. Lui, c'est où pour savoir que l'enfant n'était pas entré à 18 heures. Un vrai homme, c'est celui-là qui rentre tôt pour participer à l'éducation des enfants. Kata ne m'a même pas laissé vérifier l'autre là. J'allais demander à la belle-mère de ma nièce si son mari bat souvent sur elle, parce que ça part de là. L'enfant qui a grandi dans un environnement violent, grandit en étant violent, oh, et plus tard il reproduit le schéma paternel. C'est là où on trouve aujourd'hui de plus en plus des enfants violents, les hommes et les femmes qui se tapent dans les maisons comme des tam-tams. Oui, parce qu'il n'y a pas que les femmes qu'on tape dans la maison. Hein. Il y a même les femmes, quand elles ferment derrière la porte, là, elles prennent la ceinture, son mari à chaud. J'allais vérifier tout ça, Kata ne m'a pas laissé. Je voulais même chuchoter à Thomas, notre grand frère, que dit à Kata de prendre seulement un peu d'argent. Comme ça, si le jour que ça ne va pas, on peut remettre là un peu d'argent, on reprend l'enfant. Kata ne me regarde pas. Si aujourd'hui, ce mariage capote, je suis sûre que je serai la première personne que Kata va appeler que ma soeur vienne. Il faut qu'on remette les choses du type là. Qu'elle m'a donné combien? Elle m'a donné combien? Déjà, je ne connais même pas là où la famille de ce garçon vit, mais Kata a déjà envoyé l'enfant là-bas. Si on nous appelle, on va la chercher de quel côté? Je voulais expliquer à Kata que de nos jours-ci, pour donner ton enfant chez quelqu'un et tu fais une enquête de moralité, le dehors est gâté, la terre est devenue sale. Kata ne m'a pas laissé. Je voulais même préciser à ma nièce que comme tu parles à maman, le mariage c'est des compromis. Il y a des choses que tu n'acceptes pas qu'à partir de maintenant tu vas accepter. Et que dans ton foyer là, c'est ton mari le chef. Quand il parle, accepte. Donne ton point de vue sans t'imposer. Mais Kata ne m'a même pas laissé partir. Donc comme l'enfant l'a pas, et comme sa bouche l'a fait comme la machine à coudre là, j'attends seulement les coups de poing. Est-ce que Kata m'a alors laissé parler? De toute façon, moi je dis seulement, hein, mais j'irai à ce mariage, même si Kata m'a donné 10 000. Le jour de la célébration, je vais y aller. Comme cadeau de ce mariage, j'amènerai Hippo Digital pour l'immortalisation des images de ce mariage. Je vais manger, je vais emballer le reste et je vais rentrer avec. Kata, tu es ma soeur et ton enfant, c'est ma nièce. Je ne peux pas laisser ça passer.